Je salue ton frère de gauche et de droite. Salut la mère. Dis-lui bonsoir. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce soir. Je suis très content d'être au milieu de vous ce soir. Et je crois que Dieu va nous faire du bien encore par sa grâce. Nous allons prier Dieu. Père Saint, nous te disons merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce peuple qui a quitté leur maison, leurs occupations, pour venir adorer ton nom et écouter ta parole. Merci pour la soif que tu déposes dans le cœur de chacun. Car en réponse, Seigneur, mon Dieu, de la foi de chacun, tu produis le miracle, la restauration. Et tu accordes, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Ce soir, nous voulons nous attendre à toi. Nous prions que ce lieu soit enveloppé par ta gloire, par ta nuit. Nous prions que le ciel soit ouvert au-dessus de nous et que toute activité de l'ennemi se taise maintenant même. Merci pour le règne de Dieu. Merci pour ton armée que tu as envoyée, Seigneur, pour nous assister. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de ton inspiration. J'ai besoin de ta parole. Fais-moi un canal fidèle afin de parler au cœur de ce peuple et d'amener une âme à la repentance, à la conversion, au salut, à la guérison, à la libération, oui, à la révélation de ta personne. Que le voile tombe et que les écailles tombent de nos yeux, et que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Le verset 18 au verset 20. 1 Pierre, chapitre 1er. Le verset 18 au verset 20. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ce soir, je nous parlerai du sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, le sang précieux de Jésus. Dis-lui encore, le sang précieux de Jésus. Ouh là là, c'est trop faible. Dis-lui, le sang précieux de Jésus. Ça monte, mais ça s'arrête juste là. J'aimerais que les démons, les sorciers entendent ça. Dis à ton ami, le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus. Alléluia. Vous savez, tous les jours ne se ressemblent pas. L'action de Dieu n'est pas monotone. Amen. Des fois, il peut nous conduire dans une dimension chaud. Des fois, c'est calme. Des fois, il parle au cœur. Des fois, on ne bouge même pas. Mais c'est Dieu qui est en action. Amen. Amen. Et je sens que ce soir, il faut que tu écoutes. Parce que cette parole va faire quelque chose dans ton cœur. Ça va résonner avec force, puissance, autorité.
Et Dieu va faire quelque chose. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ça sera une occasion pour que tu acceptes Jésus. Et si tu as un problème, ce sang dont nous voulons parler ce soir va régler cette situation. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Amen. Et gars, dis à ton voisin, je crois ce soir. Je crois ce soir. Non, non, c'est comme s'il n'a pas entendu. Dis-lui, je crois ce soir. Je crois ce soir. Alors, crie dans ses oreilles, je crois ce soir. Je crois ce soir. Le sang précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais cet homme créé à l'image de Dieu va tomber dans le péché. Parler du sang de Jésus pour comprendre pourquoi le sang de Jésus est-il important, il vous faut comprendre et connaître c'est quoi le péché et quels sont les dégâts du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message que beaucoup n'aiment pas entendre, mais qui est fondamental parce que c'est ça même le sens, je dirais, la raison pour laquelle le Fils de Dieu est venu dans ce monde, pour régler ce problème. L'homme dans Genèse chapitre 3 va écouter la voix du serpent et ils vont pécher contre Dieu. Ils vont se rebeller contre Dieu. Et le péché va leur entraîner la mort. Et la mort va amener tout un tas de problèmes. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme difficulté que l'humanité rencontre a pour origine le péché. Je rencontre les gens qui disent, mais oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a les guerres? Si Dieu existe, pourquoi la mort frappe l'humanité? Si Dieu existe, pourquoi il a permis que je perde mon père, que je perde ma mère, que je perde un membre cher de ma famille, un être cher, peut-être mon mari, peut-être mon enfant? Si Dieu existe, pourquoi telle situation? Pourquoi telle situation? Pourquoi cette situation? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Mais laissez-moi vous dire que la réponse est simple. Tous les problèmes que vous connaissez, tous les problèmes que l'humanité connaît, rencontre, a pour dénominateur commun le péché. Car si le péché n'était pas intervenu dans l'humanité, l'homme ne connaîtrait pas la douleur. L'homme ne connaîtrait pas la maladie. L'homme ne connaîtrait pas la sorcellerie. L'homme ne connaîtrait pas toutes les catastrophes que vous avez aujourd'hui. C'est parce que l'homme a péché. Et la Bible déclare, parce qu'il a péché, il va se séparer de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, en effet, c'est quoi? Le péché, c'est l'œuvre du diable manifestée à l'encontre de l'humanité. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est le fait d'être rebelle à Dieu. Le péché, c'est lorsque tu pratiques les choses abominables. Lorsque tu mens, lorsque tu commets toute forme de d'abomination aux yeux de Dieu, c'est un péché. Et c'est le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 23, est-ce que vous connaissez? La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est rien d'autre que l'absence de la vie. La mort, c'est le fait de vivre sans Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la mort physique. Lorsque quelqu'un meurt, son âme et son esprit le quittent. Et si cet homme avait Jésus, il est transporté par les anges dans le paradis. Mais si cette personne meurt sans Jésus, ce sont les démons de mort qui viennent le prendre et qui l'emmènent là, dans le séjour de mort, dans le lieu de souffrance, dans le lieu là où se trouvent tous les damnés, là où se trouvent tous les esprits en prison, et ils souffrent cruellement en attendant le jugement dernier. Et laissez-moi dire à une personne, l'enfer existe et l'enfer est réel. Et l'enfer, c'est l'endroit où vont toutes les personnes qui refusent Dieu dans leur vie. C'est l'endroit où vont toutes les personnes qui pratiquent le péché, toutes les personnes qui vivent dans des abominations. Lorsque ces personnes meurent, leur Bible déclare qu'ils sont enterrés et leur âme va dans le séjour des morts. Et là-bas, ils sont en proie au tourment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, avant ma conversion, m'a permis de voir l'enfer. À quatre reprises,
Pendant que je me demandais, je me questionnais, mais qui est le vrai Dieu? Je suis allé voir dans l'islam, je suis allé voir dans quelques religions. Bien aimé, je n'ai pas trouvé de réponse. Et un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Je veux que tu te révèles à moi. Et j'ai eu quelques songes, quelques visions. À quatre reprises, je me suis retrouvé en enfer. J'ai vu comment est-ce que j'étais enchaîné. Alors là, j'ai eu peur. J'ai dit, non, Seigneur, ma place n'est pas ici. Sors-moi de là. Et quand je me suis réveillé, je commençais à chercher. J'en ai parlé à ma mère, elle n'avait pas de réponse. J'en ai parlé à mes amis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église, écouter la parole de Dieu. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Bien-aimé, de l'autre côté, Dieu m'a transporté aussi dans le paradis. J'ai vu comment c'était beau. À plus de deux reprises, je dirais, j'ai vu le paradis. Et quand je me suis réveillé, je n'avais plus envie de rester ici sous terre. Tellement que c'était beau, magnifique, joli. Une ville remplie. C'était lumineux. Elle était lumineuse, la ville. Elle avait des fleurs. Il y avait des arbres. Et c'était magnifique. Je voyais des anges. Tout le monde était souriant. La mort n'était plus. C'était magnifique. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, mince, qu'est-ce que je viens encore faire sur cette terre? Tellement que c'était beau, magnifique. Tellement que c'était merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, avec ces deux révélations, j'ai commencé à chercher Dieu. Et la Bible dit que si vous cherchez ce Dieu-là, même en tâtonnant, vous finirez par le trouver. Amen. Alléluia. Car Dieu, la Bible déclare que sans tenir compte de temps d'ignorance, Dieu annonce à tous les hommes, sur toute la surface de la terre, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par le serviteur qu'il a envoyé, Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, homme, femme, toi qui es là, peut-être qu'il ne croit pas, laisse-moi te dire, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 17 ans. J'étais encore tout jeune, mais j'avais compris la réalité de la vie. Je savais que devant tout homme, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est étroit et resserré qui mène à la vie. Il y a le chemin large que tout le monde emprunte. Telle voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Alors j'ai pris une décision ferme dans mon cœur ce jour-là et j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, Jésus ne m'a jamais déçu et il ne me décevra jamais. Et avant de continuer, laisse-moi te dire, tu peux aussi faire cette expérience. Peut-être aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu veut parler à ton cœur et il veut toucher ta vie pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Tel que vous me voyez, je n'ai pas peur de la mort. Bien sûr, j'ai dit à Dieu avant de mourir, tu dois m'informer. Mais quand la mort viendra me prendre, je dirais plutôt quand Jésus viendra me rappeler à lui, j'aurai le temps de dire au revoir à tout le monde. Et je partirai dans la félicité, dans la gloire éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun endroit dans ce monde qui soit meilleur comme le paradis. Dieu m'a fait la grâce de tourner dans tous les continents. J'ai fait tous les continents, j'ai voyagé un peu partout. J'avais une idée sur les États-Unis, mais quand je suis arrivé, j'ai été déçu. Je vais souvent au Canada, je suis déçu. Je me suis retrouvé, je ne sais pas, en Asie, dans des pays bien-aimés dans le Seigneur. Ce que je pensais, c'était merveilleux. C'est une déception, car sur cette terre, rien n'est bon. Mais ce que j'ai vu au ciel, incomparable. Aide-moi à dire à ton voisin, incomparable. Fais-le comme ça, incomparable. Et les hommes sans Dieu, à cause du péché, vont là-bas, à l'enfer, en attendant le jugement dernier. Et laissez-moi vous dire, la mort physique n'est pas la fin de la vie. Il y en a qui croient à la réincarnation. Mais laissez-moi vous dire, la réincarnation n'existe pas. Amen. Tu meurs aujourd'hui, si tu as fait beaucoup de péchés, beaucoup de mal, tu vas revenir comme moustique. Bien-aimé, les moustiques, ce ne sont pas des hommes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Il y a des gens qui croient à la réincarnation. Ils pensent qu'ils vont revenir des chiens, ils vont revenir je ne sais pas quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est faux. Et la Bible dit aussi que le purgatoire n'existe pas. Quelques-uns pensent que lorsqu'ils vont mourir, ces personnes-là, après leur mort, on va payer un prêtre. Et un prêtre va faire une messe.
une messe de mort. Oui, que le Seigneur soit avec ton esprit. Bien-aimé, si cela était vrai, tous les riches seraient au ciel et tous les pauvres en enfer. Oui ou non? Parce qu'il n'y a que les riches qui peuvent payer le prêtre pour faire une messe. Pour que tes péchés soient purifiés dans un purgatoire. Fausse doctrine. Faux et archi-faux. J'aime les catholiques, mais cette doctrine catholique n'est pas de Dieu. Car la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Après ta mort, il y aura le jugement. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas entendre ce message. Mais c'est le message de la parole de Dieu. Pour que les gens prennent conscience que leur vie ne tient qu'à un fil. Que sais-tu ce qui t'attend après cette réunion? Sais-tu combien de temps tu vas vivre sur cette terre? Tu ne sais pas. Alors il est l'heure que tu sois prêt. Le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort spirituelle, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. La mort spirituelle, qui est le lac de feu. Après le jugement dernier, tous les hommes qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie, la Bible déclare, petits et grands, pauvres et riches, ils seront tous jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Il y aura de pleurs et des grincements des dents. Personne ne viendra à ton secours. La raison pour laquelle la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde dans le péché, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie. Pourquoi? Parce que les hommes vont périr. Bien-aimés dans le Seigneur, je vis ce lac de feu. Je vis comment les hommes brûlaient. Les hommes brûlaient sans se consumer. Avez-vous déjà vu un volcan d'éruption? Le volcan d'éruption n'est rien par rapport au lac de feu. Bien-aimés, les gens vont brûler éternellement, au siècle de siècle, sans issue de secours. Dieu tellement qu'il aime l'homme, et à cause du péché, il dit non. Les démons ont péché, mais Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour eux. Mais l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, lorsque cet homme s'est révélé, Dieu a eu un chagrin dans son cœur. Dieu a eu mal, Dieu a pleuré, le cœur de Dieu a gémi. Dieu dit, que faire pour sauver cet homme? Que faire pour sauver ces hommes dans la débauche, dans l'homosexualité, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'idolâtrie? Que faire pour libérer ces hommes? Il dit, j'enverrai mon Fils unique, Jésus. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? J'ai dit bien, ouvre grandement tes oreilles. Car c'est le message que Dieu m'a donné pour toi ce soir. My God. Le cœur de Dieu bat. Je peux voir le cœur de Dieu souffrir à cause de toutes ces personnes qui vont droit en enfer. Ils se dirigent droit vers le lac de feu. Il envoie ses messagers, ses prophètes, ses évangélistes, ses apôtres pour dire, arrêtez-vous un peu, réfléchissez sur votre vie, réfléchissez sur votre avenir. Aujourd'hui, on a le temps d'investir pour les choses qu'on va laisser sur cette terre. Investis un peu pour ton éternité. Après la mort, il y a une vie. Qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté de la vie après que tu sois mort? As-tu la réponse? Tu dois connaître la réponse. Moi, je sais. Je connais la réponse pour ma vie. Et toi? On n'a pas le temps pour Dieu. On a le temps pour aller dans les boîtes de nuit. On a le temps pour aller dans les fêtes. On a le temps pour manger, pour boire. Mais on n'a pas le temps pour Dieu. Et ce jour-là, Dieu n'aura pas le temps pour toi. Alors, à cause de cette situation, le cœur de Dieu gémissait, le cœur de Dieu pleurait, le cœur de Dieu souffrait à cause de toi qui as été fait à son image. Vous allez voir, à partir de Genèse même, quand l'homme a péché, regardez pour vous montrer que Dieu aime tellement l'homme, Dieu va tuer un animal
le sang va couler et il va prendre l'habit, il va prendre la peau de cet animal et il va faire des vêtements, il va habiller l'homme. Vous savez, dans la Bible, le vêtement, c'est l'image de la justice de Dieu. Dieu est satisfait, le cœur de Dieu ou la justice de Dieu est satisfaite parce qu'un sang a coulé. Depuis Genèse, avant même que l'homme ne commence à sacrifier à Dieu, Dieu lui-même s'érige comme le souverain sacrificateur. Il sacrifie un animal pour que l'homme puisse comparaître en sa présence. Et dans Apocalypse chapitre 13 verset 8, la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire avant que Jésus ne vienne, il y a 2000 ans de cela aujourd'hui, au commencement même, quand l'homme avait péché, Dieu l'avait déjà immolé. Oh my God, j'aime la puissance de Dieu. Alléluia. Pourquoi le sang? Pourquoi voulons-nous parler du sang? Pourquoi au commencement Dieu avait-il donné à l'homme qu'il fallait que le sang coule pour que sa justice soit apaisée? Vous avez la réponse dans le livre de Lévitique chapitre 17 verset 11. La Bible déclare ceci. Dans Lévitique, je vais lire le chapitre 17 le verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait expiation. Je vais expliquer cette parole. Dieu dit, la vie de la chair, la vie de tout homme ou de tout animal se trouve dans le sang. En réalité, le sang égale l'âme. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Lorsque vous perdez votre sang, regardez quelqu'un qui va faire un accident de circulation, un accident ou suite à une opération, je ne sais pas quoi, quand la personne perd le sang, elle meurt. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ah, vous avez peur? Non. Je vous ai fait peur? Non. C'est la vérité, hein? Mm-hmm. Quelquefois, il faut avoir peur. Et si on n'a pas peur, on n'aura pas non plus peur de l'enfer. Et moi, j'ai peur d'y aller. Je ne veux pas y aller, moi. Ah non. Regarde ton voisin, pose la question, tu veux y aller? Regarde-lui. Regarde-lui, pose la question, est-ce que toi, tu veux y aller? Moi, je ne veux pas. Pasteur, tu veux y aller, toi tu veux aller? Ah non. Alléluia. Une fois, j'étais allé de la Réunion, c'est il y a 6-7 ans de cela, je suis allé dans un hôpital et je parlais de Jésus à quelqu'un. À un homme, j'ai dit, tu sais, Jésus t'aime, tout ça, l'enfer existe, est-ce que tu veux aller en enfer? Il me dit, mais monsieur, merci pour votre prédication, mais il faut bien qu'il y ait des gens en enfer. Moi, je suis candidat à l'enfer. J'ai dit, why? Et je peux vous assurer, il y a des candidats en enfer. Et je prie de tout mon cœur que cela ne soit pas ton cas. Amen. Amen. La vie était dans le sang, et dans le sang. Et Dieu, pour satisfaire sa justice, c'est-à-dire quoi? Pour que son jugement ne frappe pas l'homme, Dieu a demandé à l'homme de sacrifier des animaux. Et à chaque fois que Dieu voit l'animal ou le sang de l'animal, ça apaise sa colère. Mais en réalité, le péché de l'homme n'était pas enlevé, mais il était simplement couvert. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu un temps où son propre fils viendrait pour régler ce problème. Comprenez que le problème de Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est pas d'abord que tu sois guéri. Non! Le problème de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu aies un mariage, je ne sais pas quoi. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église pour avoir le mariage. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Peut-être que c'est ton cas ici. Amen. On voit la chorale, on voit dans la prédication, on voit à l'église, mais c'est partout. C'est pas seulement à Maurice. Qui vient à l'église, c'est tout belle. Parce qu'il dit, je ne sais pas, peut-être j'aurai un chéri là-bas. Amen. Ce n'est pas mauvais, mais ne viens pas d'abord pour ça. D'abord pour le ciel. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout viendra. Amen.
Dieu a donné ce sang et le sang ne faisait que couvrir. Alors, vous allez voir un jour, dans Genèse chapitre 22, Dieu appelle Abraham, Abraham qui était le père de la foi, et Dieu dit à Abraham de sacrifier son propre fils, Isaac. Vous connaissez l'histoire? Abraham prend son fils, Isaac, et il dit, viens, imagine que c'est toi Isaac. Isaac. Pose-moi la question, où est-ce qu'on va? Dis en créole. Que tu veux aller? Tu vas aller adorer, c'est ça? Tu viens adorer. De bien l'adorer. Ok, il a parlé d'adoration, mais à moi tu as dit sacrifie-le. Mais moi je lui dis nous allons adorer. Écoutez bien. Parce que Dieu, pour l'adorer, il ne faut pas avoir de péché, sinon tu meurs. Regardez Nadab et Abihu, dans Lévitique 10, ils ont voulu adorer Dieu avec un feu étranger. Ils sont morts. Car Dieu est saint. Il est pur. Alors pendant qu'ils partaient, ils arrivent à la montagne. Je laisse là mes serviteurs. Et ils posent la question, mes pères, voici le bois. Voici le feu. Mais où est l'agneau? Merci. Est-ce que vous savez pourquoi Isaac a posé cette question? Isaac s'est senti condamné. Et il voit à son côté le bois. Or, le bois, c'est l'image de la croix où il faut sacrifier. Et de l'autre côté, il voit le feu. Le feu, c'est l'image du jugement. Mais où est le sacrifice qui sera sur l'autel? Il a posé une question. Et c'est la question que tout le monde doit se poser. Où est mon agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham n'avait pas de réponse. Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Dieu a pourvu sur la montagne, non avec un agneau, mais avec un bélier. Quelqu'un n'a pas compris. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'agneau? Parce que l'agneau était réservé pour 2000 ans après. Amen. Non. Parce que l'agneau de Dieu devait venir au temps d'Abraham, ce n'était pas encore le temps de l'agneau. Il dit, où est l'agneau pour le sacrifice? Mais ma Bible me dit, la même question a résonné pendant des générations. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il a présenté Jésus sur la scène nationale en disant, Jésus est l'agneau de Dieu, celui-là même qui ôte le péché du monde. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, même si le bélier était sacrifié, le sang des béliers ne pouvait jamais, jamais ôter le péché. La raison pour laquelle Dieu a résolu lui-même, quelques années plus tard, des millénaires après, il pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Bien-aimé, dans le contexte céleste, personne ne se levait. Aucun ange n'a levé le doigt pour dire « Envoie-moi ». Aucun des séraphins, des chérubins, aucune créature céleste a dit « Envoie-moi ». Mais Dieu le Fils a accepté. Il dit « Père, me voici. Je veux mourir pour ces hommes. » Il est Dieu. Bien-aimé, en tant que Dieu, il mérite la gloire. Les anges, les créatures l'adorent. Mais la Bible dit « Il s'est dépouillé. » Il a laissé sa gloire de côté. Il est venu, il a pris la forme humaine, il est devenu comme un agneau, comme un animal. Bien aimé dans le Seigneur, il n'était pas obligé de le faire. Il a fait par amour pour toi, il a accepté cela par amour pour toi. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu, il a accepté qu'on puisse le lier, il a accepté qu'on puisse le frapper, il a accepté qu'on puisse le flageller. Jésus était venu comme l'agneau de Dieu. Il n'a pas eu le sang des hommes, il a eu le sang qui venait de Dieu. C'est un sang céleste. Le premier Adam a été tiré de la terre. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. De son état d'esprit, il est venu comme un homme, comme un simple homme, comme un agneau. Oh, j'aime ce que Esaïe dit de lui. Il dit comme un agneau muet qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est tué parce qu'il avait une mission de te sauver par son sang. Bien-aimé, seul le sang de Jésus était capable non de couvrir le péché mais de ôter le péché. Le péché qui te séparait de Dieu a été réglé à la croix parce que Jésus en tant qu'agneau de Dieu a accepté de mourir pour toi.
Ça, c'est le message central de l'évangile. Il n'y a pas un autre message que ça. Amen. Et à chaque fois que je pense à ma vie passée, à chaque fois je regarde ce que j'étais, et je vois ce que je suis, et je vois le sacrifice qu'il a fait pour moi, comment ne pas aimer ce Dieu-là? Comment ne pas servir ce Dieu-là? Comment ne pas l'adorer? Alors pourquoi le sang de Jésus, on l'appelle le sang précieux? Je nous donne cette raison rapidement. 1. C'est le sang qui nous pardonne. Il est précieux parce qu'il pardonne. Aucun sang dans ce monde ne peut pardonner le péché. Je dis bien aucun homme. Je n'ai pas le pouvoir de dire que tes péchés sont pardonnés. Ça revient à Dieu seul. Mais la Bible dit que son sang nous pardonne. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que tu as été sauvé, que tu as été pardonné. Parce que si Dieu ne t'avait pas pardonné, si Dieu n'avait pas envoyé son fils Jésus comme l'agneau de Dieu pour verser son sang, aucun homme n'aurait reçu le pardon de Dieu. Nous recevons le pardon parce que le sang de quelqu'un a coulé à la croix. Amen. C'est le sang qui nous pardonne. C'est le sang qui nous lave. C'est le sang qui nous purifie. La Bible dit, si même vos péchés étaient comme le cramoisi, il deviendra pur. Tu vas devenir blanc. Personne ne peut plus te condamner. Même si tu avais tué, même si tu étais le plus grand brigand, même le brigand à la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Jésus lui dira, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je veux dire à quelqu'un, personne ne peut plus te condamner parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Alléluia. C'est le sang qui donne le pardon. C'est le sang qui pardonne. Quelquefois, nous avons des sentiments de culpabilité. Tu as tellement fait du mal, tu as l'impression que Dieu ne te pardonnera pas. Laisse-moi dire à une personne, même si tu avais avorté, même si tu avais tué, même si quel que soit le mal que tu as fait, sache que le sang de Jésus peut te rendre blanc, il peut te purifier. Oh, j'aime le sang de Jésus parce que c'est le seul sang qui peut purifier corps, esprit et âme. Ton corps sera purifié, ton âme sera purifiée, ton esprit sera purifié parce que le sang précieux de Jésus a coulé à la croix pour toi. Dis à ton ami, je suis pardonné. Dis-lui, je suis pardonné. Non, lorsque tu es pardonné, c'est-à-dire tu jouis de la faveur de Dieu. Tous les hommes, tous les païens sont ennemis de Dieu. Mais toi, tu deviens réconcilié avec Dieu à cause du pardon, à cause du sang de l'agneau. Amen. Amen. Deuxièmement, c'est le sang qui nous délivre. Apocalypse chapitre 1, le verset 5, on nous dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Regardez dans Apocalypse chapitre 1, j'aime bien ce texte. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 1. Le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est le sang qui apporte la délivrance du péché. Combien de personnes sont-elles liées par le péché? Combien de personnes, vous les voyez comme ça, mais elles ne peuvent pas s'en passer du péché. Le péché lie beaucoup de personnes. Le péché enferme beaucoup de gens. Combien de personnes connaissez-vous, mais qui savent que fumer, ce n'est pas bien, mais qui fument quand même. Qui savent que la drogue, ce n'est pas bien, mais qui prennent quand même la drogue. Qui savent que la fornication est une mauvaise chose, mais qui forniquent quand même. Qui savent que mentir, c'est pas bien, qui mentent quand même, qui sont dans la pornographie, les choses horribles. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une seule chose qui peut te délivrer du péché, c'est le sang de Jésus. Amen.
Le sang de Jésus brise les chaînes du péché. Tu étais lié autrefois, mais le sang de Jésus va te rendre libre. Oh, je prie ce soir pour que le sein du péché tombe de la vie d'une personne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus nous libère de toutes les prisons démoniaques. Dans quelle prison te trouves-tu? J'ai fait des délivrances. Et bien aimé, je me suis rendu compte que le diable a peur du sang de Jésus. Amen. Amen. Tu n'as jamais su ça? Tu n'as jamais remarqué, pasteur? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus qu'on parle du sang de Jésus. Ils savent pourquoi. C'est un sang qui dérange Satan. Oh, quand Satan voit le sang, il a peur. Parce qu'il se rappelle ce qui s'est passé au poteau de la croix. C'est là qu'il a eu sa défaite. J'aime le sang de Jésus parce que ça nous délivre des chaînes. Ça nous délivre de la puissance de Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes en Jésus, sachez que le sang de Jésus vous couvre. Lorsque vous venez à Jésus tel que vous êtes, aucun démon, je dis bien aucun démon ne peut résister parce que c'est à la croix, là où le sang a coulé, que les démons ont pris leur fuite. Quel est ce diable-là qui va résister? Quelqu'un a dit, même si le diable était multi-diable, il fuirait. Il y a un seul diable. Mais imaginez qu'il y avait 10 000 diables. À cause du sang de Jésus, ils allaient tomber tous. Amen, amen, amen. Quel est ce démon-là qui fatigue ta famille? Rappelle à Satan, lorsque le diable t'attaque, lorsqu'il te combat, rappelle-lui sa défaite à la croix et dis-lui le sang de Jésus t'a vaincu. Apocalypse 12, verset 11 nous dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. J'aime le sang de Jésus, c'est un sang précieux parce que c'est le sang qui nous délivre de la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas exercer la délivrance sans vous appuyer sur ce sang. Lorsque vous chassez les démons, ce n'est pas de par votre propre force. Vous lui dites, j'ai été mandaté. Et le sang de Jésus-Christ agit au travers du nom de Jésus. Quand vous invoquez le nom de Jésus, le sang de Jésus se déploie. Et le diable voit que du feu et il ne peut que fuir. Alléluia. Vous arrivez à un endroit, vous purifiez l'endroit par le sang de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons dans l'atmosphère? Il y a des esprits qui empêchent les gens de croire. Mais ils ont été vaincus par le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin le sang de Jésus. Dis-lui encore le sang de Jésus. Dis-lui c'est le sang de la victoire. Dis-lui encore c'est le sang de la victoire. Dis-lui encore c'est le sang de la victoire. You are worthy to be praised. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera ceux qui appartiennent à Dieu? Dieu les a justifiés. C'est le sang qui te justifie. Le sang de Jésus, lorsque les gens t'ont condamné, tu dis simplement, j'ai été justifié. Tu deviens juste devant Dieu. Alléluia. C'est le sang. Quand tu invoques le sang de Jésus, je ne dis pas qu'il faut commencer à invoquer cela comme un savon de Marseille, mais quand le sang de Jésus vient dans ta vie, quelque chose se passe. C'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de condamnation. La maladie est censée quitter ton corps. Les mauvaises choses que le diable a envoyées sont obligées de fuir parce que le sang de Jésus te justifie, te rend libre. Oh, j'aime le sang de Jésus. Il y a une activité démoniaque
Il y a un combat dans l'esprit ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, Satan n'aime pas qu'on parle de ces choses. Je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je vais aller doucement. Parce que quand je suis arrivé, Dieu a désorienté mon message. Vous savez pourquoi? J'ai vu une atmosphère polluée. Et il y a tout un combat spirituel ici. J'avais prévu de parler de Genèse 35. Et arrivé là, Dieu m'a orienté différemment. C'est pour vous dire qu'il y a des combats. Bien aimé, dans le Seigneur, le diable existe. Les démons existent. Des fois, demander à Dieu. Une fois, j'ai dit à Dieu, ouvre-moi mes yeux spirituels. Et j'ai vu un jour, ça remonte à très longtemps. J'étais dans un métro à Paris. Dieu m'a ouvert les yeux. Et je voyais des gens qui marchaient. Vous le voyez comme ça, beau, belle. Mais je voyais comme des crapauds là, qui bavaient sur eux. Je voyais des choses bizarres sur les gens. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça. Il y a des gens qui sont possédés à ce niveau-là. Oui. Et ne pensez pas que lorsqu'on prêche l'évangile, dans la vérité, tout le monde va aimer. Non, vous aurez des ennemis. Je dis, vous aurez des ennemis. Les forces du mal vont se lever. Les puissances occultes vont se lever. Quand je suis arrivé, Dieu m'a dit, demande la protection. Je priais, je demandais la protection. Parce que je savais que ce message aurait une résistance. Et je sens cette résistance dans l'esprit. Mais je déclare, je décrète la fin du règne des ténèbres. Amen. Oh, Rabashanda, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, je décrète dans ce lieu. Nous sommes dans quelle ville ici? C'est quoi? Hein? Paix du tombeau. En plus du tombeau. Oula! Oula! Dis à ton voisin, le tombeau va s'ouvrir aujourd'hui. Va avec moi, va avec moi, va avec moi. Dis, le tombeau. Dis-lui avec conviction. Dis-lui, le tombeau va s'ouvrir aujourd'hui. Et tous les morts qui sont là vont ressusciter au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je le dis? Parce que notre Dieu, qui s'appelle Jésus, on l'a mis dans le tombeau. Ils ont attendu un jour, deux jours. La Bible dit le troisième jour, Rambashanda, sans le secours d'aucun homme, la puissance de Dieu est venue. Il est rentré dans le tombeau et Jésus était ressuscité par la puissance de Dieu. Et je le déclare au nom de Jésus. Je déclare à paix du tombeau, il va y avoir un mouvement du Saint-Esprit. Je déclare à paix du tombeau que les âmes seront sauvées. Je déclare à paix du tombeau la fin de l'esclavage démoniaque. Je vous dis qu'il y a un combat spirituel. Je bénis Dieu pour l'armée des anges. Je bénis Dieu pour les anges qui sont avec nous. Vous savez, ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Oh, j'aime la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète que tout ce qui était saleté, tout ce qui était, oui, corruption, tout ce qui était mort dans le spirituel, je balaye cela maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus vient purifier petit tombeau. Le sang de Jésus vient libérer les âmes. Le sang de Jésus vient, oh mon Dieu, purifier l'atmosphère. Le sang de Jésus arrive maintenant pour ressusciter les morts qui étaient dans la tombe. Non, je veux dire à une personne, ton mariage était dans la tombe. Aujourd'hui, ça va ressusciter au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tu étais dans le chômage, ton travail était dans une tombe. Aujourd'hui, ça ressuscite au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, nous allons enterrer la pauvreté. Hein? Tu n'as pas compris. Je veux dire à quelqu'un, tu vas enterrer le célibat aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, tu vas enterrer la maladie. Tu ne sortiras pas d'ici avec la maladie. Tu es venu malade, tu vas sortir et guéri. Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu ce soir?
Je déclare cela. Comme ils m'ont lancé un défi, peut-être que vous ne comprenez pas mon langage. Je sais de quoi je parle. Et je parle par rapport à ce que je vois dans l'esprit. Ils m'ont lancé un défi. Ils m'ont dit, tu vas voir. Je ne veux rien voir. Tu t'es trompé d'adresse, Satan. Les mots, vous vous êtes trompé d'adresse. Les flèches que vous avez lancées contre moi, il y a toute une muraille ici, là. Ça ne m'étonne pas. Et d'ailleurs, écoutez bien, vous tous, tous les sorciers du coin, il y a une réunion mystique cette nuit pour empêcher l'action de Dieu ce soir. Il y a une réunion mystique la nuit pour empêcher l'action de Dieu ce soir. Mais ces flèches-là retournent là où ça va. D'où ça vient? Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu sera libéré. Vous avez vu tout à l'heure, il y a une guerre de chiens là, les chiens qui aboyaient tout ça là. L'Esprit de Dieu m'a dit oui, ils sont en train d'agiter. C'était ça, c'est le signe. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, je vis un chien qui passait comme ça. Dieu m'a dit, ouvre tes yeux et regarde. Comprends. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne joue pas. Quand on a des actions comme ça, les gens pensent que c'est la blague. On vient. Non. C'est un réel combat spirituel. Un réel combat spirituel. Merci Seigneur pour la révélation. Amen. Merci Seigneur pour la révélation. Et c'est fini. Dis à ton ami, c'est fini. C'est fini. Dis-lui, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Vous faites les réunions souvent. Oui. Tous les dimanche ici. Il faut continuer. Hein, dans les langues, avant de prier, avant de commencer les trucs, purifier la zone. Hein, pasteur, purifier la zone, déclarer. Dieu me dit de te dire, Ézéchiel 37, vallée d'ossement desséchée, fils de l'homme prophétise. Ok? Parle, homme de Dieu. Parle. Il va y avoir un mouvement. Je crois que j'avais dit ça la dernière fois ici. L'Esprit de Dieu me rappelle ça. J'avais dit ça ici la dernière fois. Merci Seigneur. Voyez que l'Esprit de Dieu m'aide. Voyez qu'il me fait rappeler les choses que j'ai dit ici. Dites ici. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il y a comme un mouvement. Quand l'œuvre veut avancer, il y a quelque chose qui vient pour vouloir casser ou freiner l'élan. Mais vous devez déclarer ces choses. Je vois les ténèbres qui fuient. Les ténèbres reculent et la lumière est en train d'apparaître. Magnifique. Le soleil de la justice est en train de se lever. Le soleil levant est en train de se lever. Les vies ne seront plus les mêmes. Vos vies ne seront plus les mêmes. Dieu va commencer à faire quelque chose dans vos vies. Dieu va commencer à impacter vos vies. Dieu va commencer à oindre vos vies. Dieu va commencer à vous visiter. Oh, je prie même que vous commencez à avoir des visitations d'anges. Alléluia. Je prie même que non, dans ta cuisine, pendant que tu cuisines, l'onction tombe sur toi, tu commences. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, je prophétise dans ta vie, oh mon Dieu, une excellence. Je prophétise dans ta vie le changement des choses. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu m'avais compris, tu allais crier Amen. Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour toi que je le dis. Oh, est-ce qu'un enfant de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette parole? Mon ami, le sang précieux de Jésus. Dis à ton ami, le sang précieux de Jésus. Dis-lui, c'est le sang de la victoire. Non, dis, c'est le sang de la victoire. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, par celui qui nous a aimés, qui s'appelle Jésus. Oh, quel est son nom? C'est Jésus de Nazareth. Oh, acclame le très fort. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lève contre toi en justice, tu la condamneras au nom de Jésus. Oh, je suis venu déclarer dans ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je viens prophétiser dans ta vie. Oh oui, que la mort ne va pas toucher ta famille. Je viens prophétiser dans ta vie. Oh oui, ton mari qui est parti va revenir. Oh, je suis venu prophétiser dans ta vie. Toi qui attends le chéri là, toi qui attends la femme là, je l'appelle maintenant pour toi. Amen. C'est sérieux, hein? Amen. Regarde ton voisin, dit c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux, hein? C'est sérieux cette affaire. Oui, c'est sérieux.